Après la vive émotion que l'affaire du braquage de Mère Alice a suscité au sein de l'opinion publique, la police tribale s'est permis de présenter dans une série de vidéos publiées sur les réseaux sociaux des présumés coupables. Cependant, il manquait à l'appel un policier braqueur intimement lié à Jean-François Ndenge, le dénommé Morgan, connu pour ses crimes sordides. Mais pourquoi donc Jean-François Ndenge continue de protéger ce fameux Morgan, pourtant cité et reconnu comme le commanditaire du braquage, qui a failli coûter la vie à des paisibles citoyens? Nous ne confirmons pas l'information, cependant il se murmure dans la capitale congolaise que Jean-François Ndenge aurait des relations controversées et contre nature avec Morgan. C'est ce qui justifie sa non-présentation au public. Dans une vidéo que nous avons pu publier sur cette chaîne YouTube, donc le lien se trouve dans la barre de description, un ancien chauffeur du dictateur Denis Sassou Nguesso dénonçait explicitement sa hiérarchie des pressions pour s'adonner à des pratiques contre nature. Si l'homme à tout faire de Jean-François Ndenge n'est pas présenté devant les instances compétentes, la conclusion doit être tirée de tous. Jean-François Ndenge et Morgan, une relation fusionnelle et interdite.